Chers utopistes, bonjour. Puisqu'en ce moment je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai décidé de vous parler d'illusions d'optique. Personnellement, j'adore les illusions d'optique, je trouve ça fascinant. Mais en plus, dans des formations ou des conférences sur l'esprit critique, on peut parfois voir utiliser les illusions pour introduire au biais cognitif. Bien évidemment, l'exercice a des limites, mais il permet de vulgariser ce qui est bien connu des sciences cognitives, notre cerveau réinterprète le réel, ce qui peut influer sur nos perceptions ou nos raisonnements. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer chez vous un certain type d'illusion qu'on appelle constance des couleurs et de luminosité. Alors je m'excuse auprès des daltoniens qui ne devraient pas pouvoir voir correctement l'illusion que nous allons créer ensemble. Mais si vous êtes daltonien et que vous avez commencé à regarder cette vidéo, je vais d'abord vous montrer des illusions que vous-même pourrez voir. Vous n'aurez pas cliqué pour rien. Commençons par le plus connu, le damier d'Adelson. C'est donc Adelson qui a créé cette illusion, et vous pouvez voir une case notée A, une case notée B. Eh bien, c'est foufou, mais en fait la case A et la case B ont la même couleur, donc c'est exactement le même ton de gris. Elle a été refaite en tout cas cette illusion en vidéo, hein, on peut la voir sur YouTube. Et là ça déplace la case et on voit en fait que la couleur est la même, sauf que c'est vrai que quand on voit glisser, on a l'impression que ça change de couleur en même temps. Alors là on passe sur GIMP. GIMP c'est un Photoshop-like, hein, donc c'est pour de la retouche d'image. Là on est devant une image qui s'appelle l'illusion de Cornsweet et qui refait en fait un petit peu la même illusion que celle du damier, c'est-à-dire deux illusions sur des gris qui semblent différents alors qu'en fait il s'agit des mêmes gris. On va en fait récupérer la couleur ici, donc on voit que c'est du gris, hein. On va faire hop, une petite barre, je vais y mettre du gris à l'intérieur en créant un calque. Donc ce calque, je peux le déplacer et vous allez voir, hop, voilà, c'est bien un calque gris. Et lorsque je mets, vous voyez bien qu'il se fond complètement en fait dans la couleur, parce que c'est le même gris. Dans le même genre, mais cette fois-ci en couleur, donc du coup c'est là que les daltoniens auront peut-être plus de mal à partir de cette image-là. Si je clique ici, j'ai du jaune, là j'ai du vert, là j'ai du jaune, là j'ai du rouge, là j'ai du bleu, là j'ai du marron. Et si je clique ici, j'ai du marron, c'est le même, il ne change pas. Ensuite, nouvelle image, une image qui a pas mal tourné, donc c'est cette image de fraise. Donc vous voyez ces fraises, il y a un filtre bleu clair, hein, c'est vraiment cyan très clair par-dessus. Et en réalité, ces fraises, on voit un petit peu de rouge, mais en réalité, elles sont pas rouges du tout. Alors on va prendre ça, vous voyez, en fait, c'est gris. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire une petite barre avec ce gris. Hein. Donc cette barre, hop, je crée un petit calque par-dessus. La couleur, et vous voyez, c'est vraiment le même gris en fait. Voilà, donc c'est vraiment une illusion aussi qui donne l'impression qu'il y a du rouge parce qu'on a mis un filtre bleu. C'est le cyan en fait, c'est vraiment la couleur opposée en fait au rouge, et du coup ça va rehausser la couleur rouge. Vous connaissez aussi très certainement cette robe, elle a fait le tour du net il y a quelques années. Donc cette image, certaines personnes la voient bleue et noire ou marron, et d'autres la voient blanche et dorée. Donc on pense en fait que cette illusion est créée à cause du contexte, c'est-à-dire qu'au fond, vous voyez la lumière qu'il y a ici, le cerveau va l'interpréter du coup comme étant en contre-jour, et va donc rehausser les couleurs qu'on peut percevoir ici. Et pour d'autres personnes, ben, ça va être plutôt... de l'ombre normale, on va dire pas en contre-jour quoi, et donc les couleurs vont être différentes, perçues différemment. Il y a un scientifique qui a créé un site, hein, vous pouvez voir ce site là, il est pas très très beau, mais par contre vous voyez il est très très riche, il y a énormément d'illusions qu'il a créées. C'est d'ailleurs lui qui a créé l'illusion des fraises que nous avons vu tout à l'heure. Et bien ce scientifique, Akiyoshi Kitaoka, a créé une autre illusion par rapport à cette robe. C'est cette illusion là. Donc vous voyez, il a repris les couleurs de la robe, hein, donc bleu et noir et blanc et doré. Si on regarde dans ce cadre là, donc un cadre où il a mis un filtre jaune et ici où il a mis un filtre bleu, les couleurs à l'intérieur de ce cadre sont exactement les mêmes. Donc ça paraît fou, mais pourtant c'est vrai, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si on regarde ici, bah là c'est bleu, là c'est jaune, hein, pas de souci, mais à l'intérieur du cadre, donc là on a une sorte de beige clair, et là c'est la même couleur, et ici du bleu, et ici du bleu. Donc cette illusion est créée à cause du contexte, c'est-à-dire à cause de la couleur qu'on s'attend
à voir et donc que le cerveau prolonge, mais également à cause du filtre où le cerveau va rehausser en fait les couleurs différemment en fonction de la couleur du filtre. Là, c'est un filtre clair et jaunâtre, donc il va compenser avec d'autres couleurs. Et ici, c'est un filtre assez sombre et bleuté. Si je déplace ce cadre que je mets vraiment juste à côté, un petit peu en décalé, vous voyez vraiment que les couleurs c'est les mêmes. Donc ce scientifique a aussi créé une illusion et c'est celle-là qu'on va réaliser ensemble. Donc je vous mettrai le lien de GIMP en description. Alors GIMP, ce qui est bien, c'est qu'il est open source et libre, donc gratuit. Vous aurez besoin du fichier que je vous mettrai en source aussi à télécharger. Un fichier qui va ressembler à ceci. Voilà. Donc un fichier sans filtre. Et nous allons créer le filtre ensemble. Les yeux sont sillants ainsi que la petite barrette de couleur. On va y mettre un filtre rouge qui va se poser à la fois de ce côté-là de l'image, mais aussi ici, sur l'œil. Donc logiquement, les deux yeux auront la même couleur, parce que sur les deux yeux, il y a le filtre rouge. Sauf que quand on remet l'image derrière, on voit bien que sur l'œil, elle est devenue grise, sur l'autre œil où il y a le filtre en entier, c'est resté bleu. Alors pourquoi ça? Alors en réalité, si j'aplatis l'image, hein, voilà, si j'aplatis l'image et que je prends la couleur, donc ici on a bien un gris, ici on a bien un rouge foncé, un rouge plus clair, un gris foncé, etc. Donc je reprends ce gris là, et je clique ici, et vous voyez ça bouge pas, c'est en réalité le même gris. Donc pourquoi on le perçoit bleu? Ben parce que tout simplement c'est un filtre rouge, et comme je vous ai dit tout à l'heure, le rouge, on va dire c'est la couleur opposée du bleu, et donc ça va rehausser le bleu. Alors je dis bleu, mais en fait c'est cyan plus exactement, si on doit être précis. Donc comment réaliser cette illusion? Donc nous allons sélectionner la moitié de l'image pour pouvoir y mettre la couleur rouge. Donc on sélectionne le rouge le plus rouge possible avec le pot de peinture. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler rouge 1. On va y mettre la peinture rouge. On sélectionne arrière-plan et cette fois en fait on va venir utiliser cet outil qui est l'outil de sélection automatique. On va sélectionner l'intérieur de l'œil, donc le cyan hein, qu'il y a dans l'œil. On va élargir un petit peu pour pas qu'il y ait de cyan qui dépasse. Donc on fait sélection, agrandir et on met à peu près 2 ou 3 pixels. Et là, on va pouvoir revenir sur le calque rouge et y redéposer la peinture rouge à l'intérieur. Donc vous voyez, ça fait bien rouge. Mais là, ça fait bien rouge parce que le calque, il est à 100% d'opacité. Vous voyez ici, 100%. Il faut qu'on le mette à 50 à peu près. Et là, vous voyez comme par magie que l'œil de gauche est resté cyan, un peu sombre, mais cyan tout de même. Et l'autre œil est vraiment très gris. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on peut faire ça en fait avec d'autres couleurs. Alors comment faire ça avec d'autres couleurs? On va garder notre calque, enfin vous pouvez le dupliquer, on va le dupliquer plutôt. On va faire ça. Donc clic droit. Dupliquer le calque. On va enlever l'autre calque hein, pour qu'il reste plus que la copie. Et celle-là, on va pouvoir modifier sa couleur. On va devoir en fait changer la couleur des yeux. Donc on va sélectionner l'arrière-plan. On va sélectionner les deux yeux. Donc pour sélectionner les deux yeux, on fait un clic sur un œil et puis après on reste appuyé avec le bouton Shift pour sélectionner l'autre œil. Pareil que tout à l'heure, sélection, agrandir 2. On va copier. Donc vous faites CTRL-C et CTRL-V. Et là vous voyez, le nouveau calque s'affiche ici, vous le créez pour qu'il soit confirmé. Et donc ce calque là, on va juste le renommer yeux couleur. Parce qu'on ne sait pas encore quelle couleur on va le mettre. Donc ces yeux, on va les colorer, allez, en jaune. Donc on prend le jaune le plus fort. Donc en jaune, donc si on enlève le filtre rouge, on voit qu'en fait que les yeux sont vraiment jaunes. On rajoute le filtre rouge et on peut déjà voir que les yeux n'ont plus la même couleur, alors que la même couleur est posée en filtre par-dessus. Hein. Alors pour jouer avec l'effet de gris que nous avons eu tout à l'heure, on va cliquer donc sur le calque rouge et on va trouver quelle couleur il faut pour que, en opacité 50, ça crée un gris lorsque ça se mélange avec le jaune. Donc on va dans couleur, teinte saturation. Et on va jouer avec la teinte jusqu'à ce que l'œil droit devienne gris. Donc là, je trouve le gris plutôt pas mal. Je valide. Et vous voyez que l'œil droit est gris et que l'œil gauche est resté jaune. Alors on peut jouer de la même manière avec la couleur des yeux. Donc je vais enlever le filtre et on va
trouver une autre couleur, hein, peu importe, avec le même outil teint saturation. Donc on va sur la teinte en ayant sélectionné donc le calque des yeux, évidemment. On va réafficher le filtre. On sélectionne bien, hein, le calque du filtre, parce que sinon c'est pas ce qu'on va changer. On retourne sur teinte saturation. Et là on va essayer de trouver donc la teinte qui va rendre l'œil droit gris. Bon là c'est pas mal, ça me semble plutôt bien gris. Donc là en fait si on aplatit l'image, donc on va dans image, aplatir l'image, je peux prendre la teinte de chaque œil, donc cet œil il est bien gris, hein, et celui-là eh ben, c'est le même gris. Donc là c'est vert, là c'est gris foncé, là c'est gris un peu plus clair, et là c'est le même gris. Donc voilà, vous pouvez vous amuser comme ça à décliner la couleur des yeux et la couleur du filtre qui va par-dessus. Donc moi par exemple j'ai créé un filtre vert, un filtre jaune, un filtre cyan, un filtre bleu, un filtre rouge et j'ai trouvé les couleurs des yeux adéquates. Voilà. Donc ce phénomène je le trouve super intéressant, c'est le phénomène de la constance des couleurs. Il permet au cerveau d'essayer de conserver au mieux les couleurs selon le contexte. Selon les ampoules que vous prenez, en fait vous avez des lumières qui sont très blanches, donc là ça va être neutre, mais vous avez des lumières plus jaunes ou rougeâtres et d'autres plus bleutées par exemple. Et selon la couleur de cette lumière, ça va créer un contexte visuel dans lequel les couleurs ne seront plus les mêmes car ça va superposer deux couleurs. Et vous savez que le mélange des couleurs crée d'autres couleurs. Le cerveau en fait va réussir à conserver la couleur d'origine en quelque sorte, parce qu'il a appris à analyser que s'il y a un filtre de telle couleur par-dessus, eh bien ça va créer un mélange de couleurs qui va changer la couleur de la chose. Et c'est quand même plus simple pour le cerveau de conserver une cohérence plutôt que de réanalyser à chaque fois les objets quand ils n'ont pas la couleur adéquate par exemple. Ou dans l'ombre et la lumière par exemple, comme on a vu avec les dégradés de gris, ça va permettre de rehausser ce qui est dans l'ombre et donc de mieux distinguer les objets, les formes. Alors ça peut être pour des raisons de survie que cette chose c'est construite dans notre cerveau, hein. Ça peut être tout simplement pour mieux détecter des prédateurs ou mieux détecter des proies dans l'ombre par exemple. C'est quand même très utile, et aussi pour les objets, donc par exemple les fruits que nous pouvions prendre sur les arbres, pour reconnaître un fruit qui est telle couleur dans l'ombre plutôt qu'une autre, ne pas les confondre quoi. Et lorsqu'il y a les couchers de soleil, que le ton du ciel peut changer, etc., ça peut modifier donc les couleurs. Et donc forcément, si on voit une couleur qui n'est pas la bonne, on peut se tromper et s'empoisonner par exemple. Donc là, c'est la théorie évolutionniste de ces effets-là, on pense que ça vient de là. Donc ce n'est qu'une hypothèse, mais en tout cas, on sait que le cerveau fonctionne comme ça, puisque nous en faisons l'expérience dans cette illusion. Ce que je trouve intéressant avec cette illusion, c'est qu'elle permet de comprendre que le cerveau réinterprète les choses selon le contexte. Le contexte est très important et peut créer en fait des illusions cognitives. Et donc c'est un bon outil en fait pour présenter les fonctionnements du cerveau, les biais cognitifs, etc. Car ça permet de comprendre que dans certains contextes, le cerveau peut se tromper. Alors, c'est évidemment dans ce cadre-là quelque chose de très utile au cerveau à la base. Mais dans le contexte créé ici, on voit bien en fait que ce n'est pas la bonne couleur en fait qu'on voit. Et c'est pareil pour certains biais cognitifs où on va potentiellement percevoir certaines choses parce qu'il y a un contexte qui est créé par la situation qu'on est en train de vivre, par le contexte informationnel, par le contexte d'internet et du fonctionnement des réseaux sociaux, des algorithmes, des phénomènes de groupe, des phénomènes de bulles sociales, etc. Tous ces phénomènes-là peuvent créer donc des biais cognitifs dans notre fonctionnement et dans notre manière de réfléchir. Et ça, du coup, voilà, je trouve que c'est une illusion intéressante pour montrer à quel point le cerveau peut changer notre perception de la réalité. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous pourrez vous amuser, comme moi, à créer cette illusion avec plein d'autres images, hein. Vous pourrez le faire même avec des photos, ça marche très bien. Donc voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine.